Hoyo Minasao, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc qui va être SOS aux Poulipiennes. Parce que j'ai deux, trois questions à leur poser. Il y a des choses que je ne comprends pas très bien, ou enfin pas forcément ça, mais enfin voilà. Bref, des questions qui sont tout d'abord sur les polypes, les dalles, les taillons, enfin bref, bref et bref. Alors je voudrais poser des questions et j'aimerais que vous me répondiez en commentaire si vous savez la réponse. Je veux dire, si vous pourriez m'aider. Et comment, si, par exemple, je vais mettre un numéro à chaque question. Par exemple, si je fais question 2 et que vous ne savez pas la réponse, bah, vous ne mettez pas. Vous mettez question 1, question 3, enfin bref. Voilà. Donc, ce serait hyper sympa de votre part de répondre en commentaire. Donc, déjà, première question, il y a une wig. Je ne sais pas le nom, mais qui me plaît beaucoup. C'est une wig. Comment je pourrais dire ça? Qui est toute douce, mais en fait, c'est tout bouclé en fait, c'est tout bouclé, c'est pas très épais, enfin c'est tout bouclé. La wig par exemple de la Pulip Papin, voilà, j'ai vu qu'il y avait des wigs qu'on pouvait vendre, qui pouvaient être vendues comme celle-là, donc je ne sais pas le nom, j'arrive pas à trouver. Ensuite, deuxième question, la wig qu'on peut mettre bah, au Pulip et au Taeyang. C'est une wig pareil en fait, qui est toute douce, mais sauf qu'elle est lisse par exemple. C'est, par exemple, elle est très courte et elle est toute douce, c'est un peu comme les mohairs, sauf qu'elles sont pas bouclées en fait. Par exemple, on peut les mettre comme ça, vous voyez la mèche comme ça, partout là. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je peux pas prendre mon téléphone parce que je suis en train de filmer avec. Je peux pas prendre mon téléphone pour vous montrer une image. Bref, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et troisième question, vous savez, les Obitsu. Est-ce que les Obitsu 28 cm, ça pourrait aussi convenir aux têtes des dalles, par exemple? Est-ce qu'on pourrait mettre un Obitsu 28 cm? Je sais plus, c'est 27 ou 28 cm. Bref, aux dalles, en fait. Je voudrais savoir, parce que aux dalles, normalement, c'est 23 cm, si je ne me trompe pas. Et du coup, je me demande si on peut vraiment mettre un Obitsu 28 cm pour dalles. Voilà, donc c'était des petites questions et aussi petite question bonus. Donc vous mettez question bonus et là le machin et votre réponse. Quelle pulipe me conseillerez-vous pour que je. Quelle est la première pulipe que vous pourriez me conseiller? Parce que je vais avoir une pulipe à mon anniversaire, donc c'est le 14 mai, au cas où vous demanderez la question. Donc voilà, donc ce serait hyper sympa de me répondre en commentaire, ça me ferait chaud au cœur. Bref, voilà. Je vous fais de gros bisous les loups. Je vous aime très très fort. Et bientôt, je vais avoir une intro. Bisous.